trahir le vieux. Sorodium, faut pas trahir papa. So, faut pas trahir Ado. So, faut pas trahir Ado. C'est notre amour, t'as codé Ado. So, t'as codé Ado. Comment les gars? Je fais comme toi. 22 Zakpa, Asko, Serge, Papom, Marie, Anyama. Kémit conforme, il y a un médicament dans le jus là. Dieu n'a pas trompé papa. Il y a un médicament dans le jus là. Kakabé n'a pas trompé le vieux. Solo faut pas tromper papa. Solo faut pas tromper le vieux. Faut pas tromper papa. C'est comment les gars? C'est un peu flou, hein. C'est flou, non? C'est flou, là. Ah, c'est un peu chelou, la connexion, là. Les gars, c'est flou, non? C'est flou, les gars. Et là, je me vois un peu flou, là, en retransmission, là. Il dit lunettes d'hésiter. C'est comment? C'est flou ou bien c'est pas flou? C'est pas flou, on continue les gars. C'est pas propre. La connexion est bizarre. Regarde, attendez, il y a basculé quelque part. Un instant. Il y a basculé. Voilà. Y'a chien l'opérateur. Ah, c'est là bon maintenant là. C'est bon maintenant là. Voilà, ah, c'est bon maintenant. Y'a chien l'opérateur, c'est bon maintenant. Voilà, ah, c'est bon maintenant. C'est comme un Miss Tim Tim. Ah, la grande Miss Tim Tim quoi, c'est ton jour. J'ai l'anniversaire à Miss Tim Tim.
C'est ton jour, la grande Miss Tim Tim. C'est chaud, hein? C'est pas bien. C'est chaud. Hein? Ah, c'est propre maintenant. C'est comment Miss Tintin? C'est ton anniversaire là. Les gars, écrivez vos anniversaires pour Miss Tintin. Miss Tintin, c'est son anniversaire, au moins là, on peut la saluer les gars, c'est pas mauvais. Hein. On a mis sa photo même, vous êtes incapable de venir dire joyeux anniversaire. Vous ne pouvez pas partager les vidéos des gens, ça c'est votre droit, ouais. Mais quand même là, quand on dit à une belle femme, on met sa photo, on dit son anniversaire, quand même là, venez écrire quelque chose, c'est pas mauvais. Hein. On ne vous a pas demandé d'envoyer cadeau, mais ne serait-ce que marquer reconnaissance, un petit cœur, un petit commentaire, ça va droit au cœur, mais vous maintenant, vous êtes nul dans... Vous êtes fort dans vos liens, quoi. Vous êtes fort dans vos liens. Maintenant, ici, là, quand on fait vidéo, là, quand tu partages à sa marque, ton nom, tu ne partages pas, il ne dit pas ton nom. Tu veux aussi, il ne faut plus rire la vidéo, on s'en fout de ça. Joyeux anniversaire à Miss Tintin. Alors, Miss Tintin, c'est une dame de fer, c'est l'une de mes Amazones. Voilà. Donc maintenant, ceux qui suivent la vidéo ou pas, tu ne partages pas la vidéo, il ne dit pas ton nom. C'est fini ça. Alors, nous n'est pas là pour faire vue, pour dire, ah, il y a beaucoup de... Non, on s'en fout de ça. Alors, si vous faites vidéo, c'est à cause de moi, direct, là, c'est moi qui ai créé ça. Alors, donc, ici le Père précurseur, ici le Jésus. Alors, nous, on n'a plus rien à prouver pour lui dire, non, on n'a plus rien à prouver. Moi, qui ai fait vidéo, même si c'est deux personnes, mon destinataire, là, il sait ça, il voit maintenant la vidéo, la preuve en est. Amen, Bakayoko, là, sur Facebook. Il y a le Pachi tout à l'heure, là, il y a la vidéo. Donc on n'a pas besoin de 1500 vues en direct. Ça, c'est pour les artistes. Ça. Ceux qui sont chanteurs, là, c'est eux qui ont besoin des vues. Sinon, nous, là, combattants, là, qui allons au front, on n'a pas besoin de vues. Selon 10 personnes, c'est l'essentiel. La preuve, on est à ma vidéo, là, je ne dis plus partager la vidéo. Ça ne m'intéresse pas. Moi, mais partage ma vidéo. Mes cibles, là, ils voient ma vidéo. Parce qu'ils ont leurs commis qui sont là. Voilà. Mais quand on dit Miss Tintin, c'est son anniversaire, au moins, là. Il serait ce qu'il crée un petit quelque chose, je vais pas mauvais. Sauf si on a vous pardonné pour ça. Il y a sa photo en bas de ma page. Allez liker pour voir. C'est pas mauvais. Ah. Encouragez les gens de notre vivant. Que de vous, je les hypocrites. C'est comment, belle God? C'est le jus de Miss Tintin. On a dû faire plaisir. Ouais. Non, mais le fétiche. Et maintenant, il y a fait ici Facebook. Hein. Tu n'es pas protégé. Peut-être l'ancien petit Pacha ici, toi, et t'es tout. Non, c'est protégé maintenant, les gars. Ça existe, hein, fétiche. Joyeux anniversaire à Miss Tintin. Écrivez quelque chose là. Vous qui suivez la vidéo, on vous voit. Voilà, même si vous n'avez pas commenté, nous, on va voir non ici. Écrivez quelque chose là. C'est pas mauvais. Alors, juste pour Miss Tintin. On vous a pas dit de venir commenter, mais écrivez quelque chose. Joyeux anniversaire. Voilà. Ça, je vous le demande. Mais par contre, je ne vais jamais vous demander pour dire partager la vidéo. Ça, je m'en fous de ça. Mais Miss Tintin, c'est son anniversaire. Juste, joyeux anniversaire, c'est tout. Ce sont tous ceux qui survolent ma vidéo, là, je les vois. Et tous, ils les voient ici. Voilà. Chalut de fraternité, il faut écrire joyeux anniversaire ici. On voit vous tous vos noms ici. Voilà. Je pense à eux. C'est pas mauvais. On dit anniversaire. Événement heureux. Vous ne voulez pas fêter. Écrivez en lui, là. Voilà. Moi, si c'est mon anniversaire, ne dites pas, je m'en fous de ça. Miss Tintin a écrit joyeux anniversaire, puis a commencé la vidéo. Là. Si il n'y a pas joyeux anniversaire, il ne fait pas de vidéo. Alors, je ne suis pas payé pour ça. Oh. Au contraire, il vient mettre ma vie en danger ici. En temps normal, moi, je viens faire théâtre. Ça, c'est fait théâtre, vous allez voir. Il y a beaucoup de vues. Mais moi, c'est un comédien même. S'il était comédien, c'était bon. Il y a des amis, la notoriété. Mais il y a la notoriété, mais pas comme je voulais là. Et je cherche pas la notoriété aussi pour mettre dessus. Alors, en tant que moment, il a fait théâtre. Il a créé un truc théâtral. Et puis, il y a avoir des acteurs. Oh, là, tout des dessins animés.
je sais pas, organiser un petit show au Moulin Bassé. Et puis, il vient avec mes éléments, puis on fait notre théâtre, puis on s'en va. En temps normal, c'est ça qui me ressemble. Voilà. On vient faire vidéo. Bon, les gars, on va commencer la vidéo. Hein. Voilà. Bref, c'est juste pour décontacter un peu l'atmosphère. Il y a 83 clients dans mon bac. En temps, c'est 150. Ça fait rien, c'est qu'il y a les plans de mal là-bas. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas d'apprenti. Raison pour laquelle les gens. Et puis, il pleut même. Il pleut ici. Donc, c'est normal, il n'y a pas de clients. Bon. Bonjour, frères et sœurs. Ivoirien. Dessin animé, politologue. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour commenter l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire, voilà, et les faits divers. Nul n'est censé ignorer que la journée d'hier a été une journée noire pour les Abidjanais. Voilà. Il y a un déluge qui s'est abattu à Abidjan, qui a occasionné de nombreuses pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels. Bon, nous en tant qu'opposition, nous on est là pour critiquer. Voilà. Mais moi quand je critique, c'est des critiques objectives. C'est pas un mouton. Je suis pas un fanatique. On dit non parce que c'est opposition. S'ils ont bien fait, je dis non qu'ils ont mal fait. Non, moi je suis pas dans ça. Voilà. Pour commencer même. Un petit big up à Cissé Bakongo. Voilà, lui, c'est un RDR, c'est un rebelle. Mais quand il fait du bon travail pour la population, c'est salutaire. Voilà. Lui, au moins, là, il cherche à travailler pour sa population. Il ne pense pas à être président des cartels, comme certains autres, qui cumulent assez de postes. Ils sont d'abord un président des cartels. Voilà. Ils sont maires d'Abobo. Ils sont députés de Mankono. Ils sont chefs des familles dans leur maison. Ils sont ministres de la défense. Ils sont ministres par intérim. Ils sont parrains des artistes, chanteurs. Ils sont les précurseurs du, je sais pas quoi, d'une Ndoubolo. Ils ont tout cela. Tout ce qui est néfaste là pour la suite là, ils sont parrains de ça. Mais affaire de pluie à Abidjan là, c'est pas un truc anodin. On sait que chaque année en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à cette période, il y a toujours la pluie. Donc ne venez pas, les gens de l'opposition ne venez pas chercher un alibi pour dire non, que c'est des événements naturels, que est-ce qu'on peut anticiper. Si on peut anticiper. Parce que moi, il y a un truc que je n'ai pas compris en Côte d'Ivoire. Là. Je ne sais pas si à Cocody arriverait là, qu'on habite là-bas là, et que quand on meurt là, on s'en va au paradis. Moi, je vous pose la question. Hein. Vous tous, qui voulait aller construire à Cocody là-bas, Rivera, Anglais, Soleil 6, Soleil 13, Star 30, à Bobo Benoumen, ou bien je ne sais pas quoi là. Quand vous habitez là-bas, là, est-ce que quand vous mourrez là, vous allez au paradis? Venez répondre. Mais c'est non, vous cherchez. Non, ici à Cocody. Non, ici à Rivera. Pourtant, à Rivera, vous habitez là-bas, là, devant vos maisons. Il n'y a même pas caniveau. C'est terre rouge. Mais on s'en vante. Il habite à Rivera, moi ici à Rivera, Star 6, ici à Rivera, les Oscars. Maintenant, on a eu pour moi là. Vous voyez, il y a des inondations. Ça pleut même. Ça... Mais l'ampleur même. Voilà, la pluie pleut. Mais aucun déluge là-bas. À Yopougon, la pluie pleut. Comme on dit, mais l'ampleur là. La pluie pleut à Yopougon. Tenez que les ouragans, le vent. Mais ils sont paisibles comme ça parce que. Ils sont fiers. Ils sont fiers de vivre là-bas. Et puis, ce n'est pas dans l'anarchie. Et on se connaît à Abidjan. Ceux qui sont à Makori, bien ceux qui sont à Rivera, ils ont tendance à fustiger ceux qui sont à Yopougon. Parce que non, Yopougon, c'est un quartier précaire, c'est un quartier de pauvres, c'est un quartier de perversité. Mais hier, la pluie, en temps normal, Dieu, là, quand il est pervers, ce temps, il frappe. Mais Yopougon, vous taxez les perversités là-bas. Yopougon, la tornade vient me donner que les tornades. Dieu, même, c'est fâche. Mais eux, ils vivent tranquille. Même si qu'au bois, si d'ici là, il y a un gros trou là-bas. Mais même pas même il y a érosion. Jamais. Donc je vous pose la question. Vous qui habitez à la rivière là, quand vous mourrez là, est-ce que vous partez au paradis? Venez répondre à ça. Venez répondre plus avancé. Ceux qui sont à la rivière,
perles, les cocodies, vos quartiers bizarres, bizarres là, Oscar, je ne sais pas quoi, les... vous connaissez votre nom là, vos quartiers, c'est vous qui êtes nom, rue ministre, rue des dictateurs, rue des tentateurs là. Quand vous mourrez là-bas là, est-ce que vous allez au paradis? Venez répondre à ça en quittant ici. Parce que je ne peux pas comprendre un pays, pourquoi les gens peuvent aller s'agglutiner que dans un quartier? Sauf peut-être que non, quand tu habites là, on te voit comme un riche, on te voit comme un dieu. Mais on vous voit comme un dieu, mais Dieu ne vous protège pas. Parce qu'on vous voit comme des dieux, mais Dieu ne vous protège pas. Comment comprendre qu'à Makori, c'est pas à Anglais, où on dit que vous êtes des boss là, les gens construisent dans l'anarchie. On construit, il n'y a même pas de caniveau pour laisser le coulement d'eau. L'homme se lève, il vient, il construit ici. L'autre vient, il construit là. Il n'y a même pas de caniveau. Hein. Allez à Rivera, vous allez voir, il n'y a pas de caniveau. On construit, il faut construire. Et puis, tenez un chien là-bas, hein. Mais on construit, il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas de canal pour canaliser l'eau. Donc, on vous pose la question. Quand vous habitez là-bas et puis vous mourrez, est-ce que vous partez au paradis? Répondez. Si vous partez au paradis, nous, paradis, pour ça, on ne veut pas. Mais le vrai paradis, c'est sur terre ici. Et pourquoi c'est le paradis? Voilà. Et pourquoi c'est lâche? Et pourquoi c'est lâche de Noé? Il y a eu le déluge hier. Et pourquoi c'est lâche de Noé? Voilà. Tous les enfants de Yopougon étaient tranquilles, calmes. Ils étaient dans les petites haches. La pluie pleuvait. Mais jamais ils ont été inquiétés. Pareil aussi, avant Kumasi, quand il pleuvait, il y avait inondation. Mais grâce à Adama, non pas Adama, si c'est Bakongo, il a compris que ouais, il fallait travailler. Mais il s'est dit non, je suis maire là, je suis maire pour la population. Mais hier, il a plu là. Est-ce que vous avez vu, vous avez entendu que Kumasi a inondé? Jamais. Est-ce que Kumasi a été inondé? Jamais. Mais moi, ce qui me fait mal, la pluie elle-même, ça trie aussi. Mais en temps il pleut fort là. Pourquoi ça ne va pas se voir chez lui là-bas? Je ne comprends pas. Après, lui aussi, là, il passe sur le médicament. Mais en temps s'il pleut fort, ça va aller chez lui. Mais ça ne va pas chez lui, je ne comprends pas. Mais par exemple, c'est bunkerisé. Lui, il a mis le canal. Il a dévié l'eau. En temps, quand il pleut là, vous là, vous êtes inondés. Eux, chez eux là-bas, là, ils sont tranquilles. Eux, c'est à cause de vous êtes inondés. Parce qu'ils ont fait des constructions bizarres autour de leur maison. En temps, que vous là, ça vous dérange. Ça vous dérange. Vous êtes maire, c'est pour travailler. Mais ce n'est pas pour être contre la population. Voilà aujourd'hui. Si c'est Bakongo, c'est un RDR. En temps normal, je le vois, il casse sa tête. Voilà, parce que c'est mon adversaire politique. Je ne l'aime pas à cause de Draman. Mais aujourd'hui, là, je dois le féliciter. Parce que grâce à lui, là, il n'y a pas eu de mort à Kumasi. Grâce à lui, là, les gens se sont mis à l'abri des eaux, des inondations. Pourquoi? Parce que lui, au moins, il est humain. Mais c'est normal. Quand tu es allé à l'école, que tu as beaucoup de diplômes, tu réfléchis comme un intellectuel. Voilà. Si c'est pas Congo, là, les vraies écoles, hein, soit on tape son cucu sur Google. Là, tenez qu'il est bac plus 35. Tenez qu'il est école d'affaires. Mais par rapport à l'autre, là, Med à Bobo, là, lui n'a même pas bac plus 0. Lui, il est 0 pointé. Et aujourd'hui, toujours, dans le match vu pour Dada, on voit une vidéo où quelqu'un est en train de sauver deux dames. Le ministre aussi, comme il veut se faire voir. Non, je vais chercher à rentrer en contact avec ce jeune-là pour le récompenser. Non, on s'en fout de ta récompense. Voilà. On s'en fout des récompenses là. Parce que au lieu de récompenser là, vous pouvez anticiper ce qui se passe en amont. Non, on s'en fout des récompenses là. Mais tu penses que quand tu fais ça, on va oublier pour dire non, Ahmed Bakayoko est gentil. Narcotrafiquant, on dit que tu es parrain de la drogue. C'est ça qui est question. Voilà. C'est de ça qui est question, mon frère. On dit que tu es narcotrafiquant. C'est de ça qu'il est question. Laisse afin de récompenser le jeune là. Il faut le laisser. Là, tu vas prendre pour récompenser là. Vous pouvez prendre pour créer caniveau. Créer les caniveaux. Canaliser de l'eau. Parce qu'en temps normal, là, c'est l'anarchie. Dans votre rivière, je ne sais pas quoi. Vous pensez que vous êtes au paradis là. Ou parce que quand vous êtes là-bas pour vous cracher sur les âges, pour dire non, Yopougon, c'est la perversité. Nous, on est la rivière, on vit bien. Mais quand l'eau commence à vous toucher par là, Yopougon. C'est le Pougon, c'est l'âge de Noé. Voilà. Jésus habite à Yopougon. Voilà. La commune rejetée devient aujourd'hui une mine d'or. Parce que vous fuyez votre paradis pour venir ce que vous appelez enfer là. Vous pouvez remarquer, hein, il pleut. Il y a des inondations, il pleut. La pluie pleut le côté là-bas. Ça pleut à Yopougon. Mais jamais inondation. Jamais inondation. Expliquez ça. Expliquez-nous. On dit non, c'est la nature. Donc, dame nature là. Dame nature fait l'exception.
Parce qu'en temps normal, dame nature ne trie pas. Voilà, la dame nature, elle est incontrôlable. Elle ne fait pas de discrimination. Dame nature ne trie pas. Elle vient, elle bâche puis à foyer. Mais pourquoi je pourrais épargner? Dites-nous ça. Donc si on comprend, mais sinon on est béni. Je pourrais lâcher, nous sommes bénis. Voilà. Parce que tous les événements qui viennent là, calamiteux, qu'ils soient ouragans, tenez qu'il est tremblement de terre, je pourrais être à l'aise. Maintenant, vous qui partez construire dans l'anarchie, arriverez là. Voilà la résultante. On vient construire une maison, on veut forcément habiter à Rivera. On veut coûte que coûte habiter à Rivera. Pour chercher non. Pour dire non, moi j'habite à côté du ministre Ahmed Bakayoko. Non, moi j'habite à côté du juge. Mais voilà, quand vous habitez à côté du juge, assumez, ne venez pas crier. Et je vois une vidéo là, où la femme là se met à crier. Non, appelez pompier, appelez pompier, appelez pompier. Mais on appelle pompier, pompier d'abord, il n'y a pas l'eau même, il ne vient pas. Il n'y a pas l'eau même là, pompier même en temps normal, quand il y a incendie, il n'y a pas de l'eau même, pompier même, 16 heures du temps pour venir. Ce n'est pas à la fois que me dira le contraire. À la fois que tu as fait accident, pompier a tenu 24 heures pour venir. Oh, pourtant la route était déblayée. Hein. J'ai entendu 24 heures. Maintenant, où il pleut, il y a des nez qui les déluchent. L'eau menace. Vous appelez pompier, mais moi, venez faire quoi? Il ne peut pas venir. Parce qu'ils n'ont pas accès. La femme qui était dans la voiture, la pompier va faire comment? Pour aller la rejoindre. Pompier va faire comment? Il pourra faire comment pour la sauver? Il ne pourra pas. Donc vous appelez pompier, c'est pourquoi? C'est comment Hermans RSK? C'est comment Okosisi Baba Nicolo? On dit quoi? Bonne arrivée sur le direct. Donc j'ai vu la dame appeler pompier, appeler pompier, appeler pompier. Mais pompier va venir faire quoi? Il n'y a pas route pour sauver. Et ils font comment? En temps normal, dans les pays développés là, les pays émergents là, on a hélico là, c'est pour ces gens de tout là. Vous aviez hélico, votre hélico, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko. Vous avez dit non, on a hélico. En temps normal, hélico là, c'est pour ces gens de choses là. Pour des terrains inaccessibles. On vient, le militaire fait descendre par appel, il vient, il sauve la dame. Mais vous avez hélico, vous montez dans ça pour aller à Assini. Hélico de police, c'est devenu votre hélico de villégiature. Hélico de police là. Hélico que vous avez acheté, deux hélicos pour traquer les bandits là. En temps normal, ça doit aider aussi à sauver ici. Mais non. Et lui, quoi, est garé, je ne sais pas où, dans le coup d'Ahmed Bakayoko. On prend ça, on s'en assigne. Mais la femme là, que le gars a sauvé, que tu veux donner l'argent là. En temps normal, et lui, quoi, devait arriver là-bas. Parce que et lui, quoi, c'est une personne inaccessible. Vous appelez pompier. Pompier a fait quoi? Pompier a quel matériel? Ils n'ont même pas Zodiac. Ils n'ont même pas Zodiac. Pompier a aimé, il se cherche. Et tout ça pour anticiper. Parce que c'est conçu dans l'anarchie. Sincèrement, c'est non, vous cherchez ceux qui sont à Yopougon et ceux qui sont à Rivera, et c'est pas Rivera, les Star 6, les Star 15. C'est que l'anarchie. Parce qu'on construit même devant ta porte, mais il n'y a pas qu'à niveau. L'eau ruisselle. Ça ruisselle. L'eau de ruissellement, ça ruisselle. Or, quand il y a ruissellement d'eau là, sans canalisation, ça crée l'érosion. Bon, c'est normal, vous n'avez pas fait géographie. Parce que, moi, ministre, même quand un camarade ne connaît pas papier. Donc, c'est normal, elle ne sache pas ça. Voilà. L'eau de ruissellement au fur et à mesure entraîne l'érosion si l'eau n'est pas canalisée. Donc quand vous construisez qu'il n'y a pas une canalisation de votre maison, l'eau de ruissellement là s'entraîne, ça crée l'érosion. L'érosion c'est quoi? C'est quand la terre s'effrite, se bouffe un peu, ça s'appelle érosion. Dégradation de la terre au fur et à mesure. Voilà. Donc quand Blanc est construit ici, puis ils mettent canalisation là, c'est pour canaliser l'eau. On dit un canal. Voilà. Donner une direction à l'eau. C'est nous, on impose une direction à l'eau. Mais vous, ce n'est pas ça. On doit coûte que coûte construire un Rivera pour dire aux gens que non, nous, on est riches. On doit coûte que coûte habiter à Star 6, le Monaco, en rue Ministre, pour dire que nous, on est riches. Maintenant, voilà ça. Quand il pleut, au moins, on disait non, ça vous a surpris. Mais depuis 10 ans, chaque année là, ça vous babou. Depuis 10 ans, vous savez ça. Depuis 20 ans, je ne sais pas bien 10 ans, vous savez ça. Que quand il pleut là, toujours ça vous lime. Mais pourquoi ne pas créer les canaux? Pourquoi? Et en venant, dit non, je suis Rivera 2. Moi, je ne suis pas Rivera 2 ici. Je ne suis rien à Abidjan. Je ne suis rien à Niamey ici. Moi, ce n'est pas votre connerie, votre suivi de moutonnier là. Non, je suis à Niamey. Je ne suis pas à Niamey ici. Voilà. On est à Niamey là. Lorsque, ouais, on ne savait pas que cela arrivait. Là, on peut être à Niamey. Mais on voit, il y a un gros truc là, on sait que s'il pleut, les gens vont mourir. Et les gens, ils meurent, on vient, non, je suis à Niamey. Moi, je ne peux jamais être à Niamey.
Voilà, ici même pas, ici même pas chose, même ici pas arrivé là. Voilà, je compatis à la douleur des familles qui ont perdu les parents, mais il peut pas être à Niama, ni Rivera, jamais. Parce que c'est le gouvernement qui nous pousse à mourir. Vous voyez que les gens, eux, sont en danger. Mais on vient pas les sauver. On les laisse là, et quand rien, il meurt, c'est venu dire non, je suis à Niama, je suis Rivera. Moi, je suis pas Rivera, je suis même pas Abidjan. Voilà, je suis pas Abidjan. C'est comment Marcel? Voilà. Et quand on parle, on dit non autant de Gbagbo. Moi, du gars, autant de Gbagbo, il dit votre mère con. Voilà. Parce que le temps de Gbagbo, c'est du passé. Non, on ne veut pas du passé. Non, on veut du présent. Voilà. C'est parce que vous avez estimé que Gbagbo n'a rien fait, raison pour laquelle vous l'avez enlevé à coup d'âme, à coup de canon. Donc, on enlève quelqu'un à coup de canon là. C'est le passé. On ne parle plus du passé. Mais mouton que vous êtes, toujours qu'on parle, non, à votre temps, autant de Gbagbo là. Quand il pleuvait là, il y a voiture ne partait pas dans la lagune, jamais. Voilà, autant de Gbagbo là, voiture ne partait pas dans la lagune. Voilà, autant de Gbagbo, c'était la corniche là. Voilà, à la corniche là où là, on a plus le courant même. Où il y a toujours l'eau là, on appelle ça comment? C'est la corniche non, les gars? Où il y a toujours l'eau là? Je sais quoi, j'ai oublié. C'est la corniche non? Quand l'équipe au lycée technique et puis tu vas aller vers le plateau là, le coin où l'eau fait réunion là, qui donne dans la lagune là, voilà, à quoi les cafés de Rome qui l'ont cassé là, le coin on appelle ça comment? C'est la corniche non? On appelle ça comment? C'est corniche non? Je sais pas, voilà la corniche là, voilà ça là, ça gola tout le monde, même Moufou ça l'a baisé, voilà, même Gbagbo ça l'a baisé, Bélé ça l'a baisé, voilà, mais vous ça vous baisse et puis ça s'en mougou. Tout Rivera 2. Gbagbo, dans ce temps-là, moi, l'année passée, je ne sais pas quoi, dans quelle année, là, en 2018, on a vu, à Rivera, il a plu. Où vois-tu, c'est retrouvé sur toi de quelqu'un. Où vois-tu, c'est retrouvé dans le salon de quelqu'un. Où vois-tu, c'est retrouvé sur Ab. Pourtant, Gbagbo, on n'a jamais vu ça. Et puis, il est venu du sort. Regarde le goudron. Autant de Gbagbo, là, quand il pleuvait, là, le goudron ne s'enlevait pas comme table de chocolat. Mais vous, aujourd'hui, là, voilà un dernier. Aujourd'hui, là, on voit. Il pleut seulement. On voit goudron biodégradable. Ça s'enlève. Et quand on parle ça, on veut défendre les défendables. On dit non, c'est la nature. C'est rien la nature ici. Voilà, c'est vous. C'est comment Godou? Godou Guijac. Voilà, c'est rien la nature. Donc, moi, là, ce que je suis venu vous dire là. Où vous habitez à la Rivera, voilà, pour venir narguer les gens de Yopougon là, mais habiter comme des gens qui sont civilisés. Parce que vous êtes ancrés, vous tous là-bas. On dit non, j'habite à la Rivera. Mais quand vous mourrez, si vous allez au paradis, non, c'est pas. Donc, on se pose la question. Parce que, en temps normal, là, si vous estimez que là-bas, c'est les lieux de riches, on n'a pas conçu dans l'anarchie. Parce que à la Rivera, moi, non, ça va, on voit là-bas. Rivera, on voit. On voit des belles maisons, mais il n'y a pas de canalisation. On ne voit pas. L'eau n'est pas canalisée. Or, au fil du temps, quand l'eau n'est pas canalisée, ça devient l'eau de ruissellement. Or, que l'eau de ruissellement entraîne l'érosion. Donc, c'est nous qui devons canaliser l'eau. Il y a pour ceux qui pourraient me dire le contraire ici. Voilà le gars là, Adama, si c'est Bakongo, il a compris ça. Les années sont passées là. Quand il pleuvait à Kumasi, il y avait inondation, comme Coco dit. Mais cette année-là, aujourd'hui, là, il y a eu Kumasi. Hier, la pluie s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Mais Kumasi, il n'y a même pas eu inondation. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Mais la même Bakayoko, il ne songe pas à ça. Et il veut se faire un nom dans la pègre internationale. Parrain de la drogue, cocaïne man. Ils font les cumuls de postes. Député de Séguéla, maire de Cocody, ministre de la Défense, ministre du Tourisme, tu es tout. Mais à Bobo, là, tu n'es pas construit là-bas. Et les gens, on s'entraide entre nous parce que nous sommes des pauvres. Tu vas venir te montrer, venir profiter de ça pour faire ton faro. Non, je cherche le monsieur pour le récompenser. Il n'a pas besoin de ça. Voilà. Il a juste besoin que tu travailles avec l'argent du contribuable. Avec tous ces cumuls de postes-là, vous devez construire les canaux. Voilà. Parce que vous toujours pensez vous agglutiner à arriver à Cocody là. Mais c'est zéro. Parce que c'est dans la nation où vous êtes. Tout ça pour chercher non, pour dire non, moi j'habite à Rivera, non, moi ici à Cocody les Oscars, moi ici à Rue Ministre,
Mais rue ministre, si c'est pas canalisé, c'est que c'est pas rue ministre. Parce qu'on peut comparer. Hein. On peut comparer. Quand il pleut sur Abidjan, là, c'est où il y a plus de dégâts? C'est là-bas. Pourtant, en temps normal, c'est vous qui êtes nantis. Vous devez canaliser l'eau. L'eau là doit être canalisée, mais ce n'est pas le cas. Or, conçu dans l'anarchie, pour pouvoir jeter le propre sur ceux qui sont à Yopougon. Pour dire non, nous on habite à Yopougon. Yopougon, c'est la commune des pervers. Nous, on est à Coco de Nangré. Nous, on est les nantis. Mais quand il y a l'inondation, Yopougon, ils sont dans l'âge de Noé. Ils sont protégés par Dieu. Voilà, parce que la commune dont vous jetez le propre là, eux, ils sont dans l'âge de Noé. Depuis plus des années-lumière, il n'a jamais eu une inondation à Yopougon. Jamais de la vie. Voilà. Parce que là-bas, il n'y a pas d'anarchie. C'est bien construit. Il n'y a même pas d'anarchie. Mais vous qui allez vous agglutiner, vous tous en quand vous habitez à Makori, à Kokodila, quand vous mourrez, vous allez au paradis. C'est vous qui envoyez ça. Parce qu'on construit, il n'y a pas de canalisation. Tout le monde veut habiter forcément à Kokodi. Mais désenclaver les autres villes, désenclaver les autres villes. On parle de ça, tu dis, nous tous à Kokodi, à Rivera. Est-ce que c'est pas la même? Est-ce que à Tokoubé, c'est pas Côte d'Ivoire? À Bouboté, c'est pas Côte d'Ivoire? Mbipé, c'est pas Côte d'Ivoire? Mais vous tous voulez forcément aller habiter là-bas, là. Habiter là-bas, là, à Kokodi, là-bas, là. Il y a quoi là-bas? Il y a pétrole là-bas, ou bien quand tu meurs là-bas, là, quand tu habites là-bas, quand tu meurs, tu vas au paradis. Parce qu'on peut faire un tour là-bas, hein. Il n'y a pas de canalisation. Rien conçu dans l'anarchie. Il n'y a même pas de canalisation. Même une fois, il y a vu une vidéo où il y a quelqu'un qui a construit ce caniveau. On voit ça à Kokodi là-bas. Mais c'est normal que si il pleut là, ça va vous tuer. Ça va gâter votre maison. Et on veut mentir. On dit non, qui c'est Dame Nature. Mais Dame Nature là, on sait que Dame Nature frappe. Mais elle, c'est un événement calamiteux. On parle d'événement calamiteux lorsque ouais, l'événement vient au moins chaque 10 ans. Mais pour vous, c'est récurrent. Donc, c'est plus événement calamiteux. Donc, c'est plus Dame Nature. Voilà, c'est plus Dame Nature. Vous devez anticiper ça. Vous devez anticiper. Voilà. Donc ce qui est arrivé là, c'est pas la faute à Dame Nature. Hein. Voilà. C'est la négligence de nos autorités. Et c'est nous-mêmes qui faisons ça. Parce que chaque année là, on sait que quand il pleut à Kokodi, ou bien arrivera, il y a une inondation. Mais pourquoi ne pas anticiper? Vous dites, bon, comme cette année, il pleut, on sait qu'il pleut toujours, il y a une inondation. On va créer des canaux. On va canaliser l'eau. Mais vous ne faites pas ça. Donc c'est vous-même qui provoquez ça. Donc faut pas après vous allez mourir, vous allez venir, non, ah, on est ici à Niama. Ici Rivera. Moi je ne peux pas être à Niama et puis jamais être Rivera. Jamais de la vie. Voilà. Je pourrais être à Niama si c'est un événement calamiteux, qu'il n'a pas prévenu. Mais depuis belle lurette, les gens à Niama là, ils habitent à côté d'un gros caniveau. L'État n'a jamais fait pour aménager eux leur posture. On les laisse là, vivre là, à côté d'un grand une grande force. Et aujourd'hui, les gens meurent en train de dire on est à Niama. Moi, je ne peux pas être à Niama. Je serai à Niama pour un événement calamiteux. Alors, c'est un événement qui vient, c'est ce sujet chaque 10 ans. Voilà. Mais chez vous, votre événement calamiteux devient des événements récurrents. Donc, c'est plus des événements calamiteux. Voilà. Donc, ne venez pas accuser la nature pour dire non, c'est pas le gouvernement. Non, si c'est le gouvernement. Voilà. Moi, dans ma poursuite d'opposition, en tant que moi, je dois critiquer. Mais moi, c'est la critique objective. Voilà. Je ne suis pas un mouton pour dire non, ah, ils ont bien fait, puis il y a du non, ils ont mal fait. Voilà. Si c'est Bakongo, il est LDR, en tant que moi, il casse sa tête. Mais il a fait du bon travail. Il a plu hier à Kumasi. Ils n'ont rien eu. On n'a pas entendu que ah, Kumasi a tué quelqu'un. Jamais. Parce qu'il s'est mis à travailler. Lui au moins, si c'est pas Congo. Mais c'est normal, il est intelligent, il a fait école. Il a les bacs plus 37. Mais les Amé Bakayoko, ils ont bac plus 0. Ils sont 0, ils ne sont pas là à l'école. C'est des moutons qui sont là. Eux aussi sont ministres. Pourquoi? Par la force des âmes, ils sont des ministres. Soit Amé Bakayoko ne peut pas être ministre. Il a quel niveau intellectuel? Il est 0. Même il dit, ouais, il a essayé dans le journalisme là. Quand on a tapé sur Google, là, il n'a pas de diplôme dans ce domaine. Il n'a pas de diplôme en journaliste. Même en communication, il n'a pas de diplôme. Voilà. Quand on tape sur Google, on voit que c'est ambigu, non. Tantôt, là, il a eu bac à Notre-Dame. Tantôt, il est parti faire l'université au Burkina. Tantôt, il est revenu à Kokodi. Tantôt, il a fait infirmerie. Tantôt, il a fait pharmacie. On ne comprend rien. Il est ambigu dans son parcours scolaire. Ça, c'est les tricheurs, ça. Adama Bitogo, il a fait bac, il a fait premier B à Zadier. Des menteurs seulement pour nous voler.
Le mec de Coco du Moi, je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais pas, le mec de Coco du Moi. Je ne le connais pas. Voilà. En tout cas, s'il y a érosion, ce n'est pas de la faute de la nature. Voilà. C'est eux leur faute. Voilà. C'est eux-mêmes leur faute parce que il est inconcevable. Quand c'est une nantie, eux ont construit dans l'anarchie. Quand on construit, on doit canaliser sa maison. Voilà. Même au village là, au village qu'on appelle village là. Quand on construit nos maisons en terre là, on met des forces. Des forces pour canaliser l'eau. Eux qui sont dans la précarité là, eux aussi ont fait ça. Mais pourquoi vous qui êtes en ville là, vous n'avez pas fait ça? C'est la mauvaise foi. Alors si vous mourrez, ne venez pas crier pour dire non, non, on est mort. Non, mais c'est vous qui criez votre mort. Parce qu'on ne peut pas construire à cause d'une route et il n'y a pas une canalisation. Mais quand il n'y a pas de canalisation là, l'eau ça ruisselle. Alors que quand l'eau ruisselle, ça entraîne l'érosion. Voilà. L'eau là, quand ça ruisselle, ça entraîne l'érosion. L'eau de ruissellement entraîne l'érosion. Effritement de la terre. La terre se dégrade. C'est ce qu'on appelle érosion. Mais si l'eau est canalisée par un canal là, il n'y aura pas d'érosion. Donc tout ce qui arrive là, à Kumasi, il ne sait pas arriver à inondation. C'est pas de la faute de la nature. C'est vous, parce que l'eau n'est pas canalisée. Voilà. On parle de nature, si elle est grand vent violent, on dit grand vent violent, le vent vient à 180 km/h, ouais, la tornade. Là, on peut dire non, dame, nature est fâchée. Mais voilà, plus, il n'y a même pas vent de 5 km/h. Et vous mentez, c'est la nature. Non, c'est la nature. On pourra parler de nature si le vent vient à 100 km/h, ou même 120, ça, c'est la nature qui fait ça, qui frappe. Donc, on n'y paye rien, on met ça sur le compte de la nature. Mais voilà, plus d'hier, là, c'est les plus, de façon, plus de 24 heures, il n'y a pas vent, ça pleut, et ça c'est nature, c'est pas nature, c'est vous. Et vous mentez, non, vous mentez sur la nature. Qu'est-ce que la nature? Non, on n'aime plus la nature, là, quand il pleut là, ça vient, c'est accompagné des vents. On dit, ouais, il a plu ici, le vent était à 150 km/h, ouais, 120 km/h, là, on sait que c'est la nature qui est fâchée. Mais vous, petit pluie, ça fait chaud, il n'y a même pas vent. Vent, même si ça fait pas 5 km/h. Et vous mentez sur la nature. Tu vois, vous déconnez dans l'anarchie, c'est tout. Ne mentez pas sur les gens pour dire, non, que c'est la nature. L'homme pas envie de faire vidéo, mais toujours on a envie de faire vidéo. Toujours on a envie de faire vidéo. Ça fatigue, mais on a envie de faire ça. Parce qu'il n'y a même pas quelqu'un qui va venir toujours sur l'issue de la plus mauvaise manière. Et il va se faire gagnement pour dire non, que c'est lui le bienfaiteur, lui là pour sauver les gens. Mais quand on veut sauver les gens là, faut pas, on va discriminer. Ta commune t'attend. À Niama, là-bas, on a une force commune là-bas. Il y a une maison qui est proche à tomber dans la force là. Va les aider. Il faut anticiper. Mais ne cherche pas les héros pour les récompenser. Pour dire non, sur ta page Facebook, cherchez-moi ce type-là, il y a les récompenser. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il dit quoi, Zatola? Il dit, on dit Palmeret, normalement, on ne doit pas construire là-bas, n'importe comment. C'était des plantations du peuple hébreu et les ancêtres sont fâchés. Et en plus, le gouvernement ne viabilise pas les terrains avant de construire. C'est ce qu'il a dit là. C'est ce qu'il a dit là. C'est comme en Carole. J'ai dit là-bas, là, de la rivière, quoi là. C'est comme au village. C'est pas loti. C'est pas viabilisé. On vient en construire sans canaliser. Donc s'il pleut là, souffrez que la pluie aille avec vous. Voilà, souffrez. C'est pas de la faute de la nature. J'ai bien défini. On parle de nature. S'il pleut, accompagné de vents violents, les vents sont estimés au moins à 150 km/h. On dit, ouais, ça c'est la nature qui se déchaîne. Parce qu'il y a le vent. Il y a la violence du vent. Vous-même, les gars, remarquez, est-ce qu'il y a quand il a plu à Abidjan, inondation, est-ce que vous avez entendu que il y a toi qui as quitté? Il n'y a pas toi qui quitte. Est-ce que l'arbre est tombé? Il n'y a pas l'arbre qui tombe. Il n'y a pas le vent qui a pris toi pour aller. Donc, c'est que ça, là, c'est pas la nature. Voilà, c'est vous-même qui écrivez vos propres mots. Voilà, nous, on vit à longtemps, on sait comment ça se passe. Voilà. On est près de nature, sur le vent était à 150 km/h. Ah, les toits s'en vont. Oh, ça a pris les bœufs, ça met les bœufs là-bas. Oh, les crotiers sont allés là-bas. Là, on peut dire non, c'est la nature, parce que le vent était fort. Voilà. Donc, on ne peut pas nous trafiquer ici pour dire c'est la nature. Jamais c'est la nature. Voilà, c'est vous-même. Par vos constructions anarchiques. Ce n'est pas la nature ici. Voilà. On parle de nature lorsque le vent est évalué à au moins à une certaine vitesse, soit 200 km/h ou bien 180 km/h. Là, on peut dire non, c'est la nature. Il pleut, accompagné de vents violents. Le vent enlève les toits. Il y en a vu sur Facebook, il n'y a pas toi qui as quitté. Sur maison. On a vu des gens monter sur toi-même. On a vu des gens monter sur transfert de CU en bas avant la scène là. On a vu. S'il y a un vent là, est-ce que vous pouvez s'arrêter là-bas? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc ne mentez pas sur la nature.
Voilà. Ne mentez pas sur la nature. Voilà. Si ça s'est arrivé, c'est parce que, comme le gars a dit, c'est pas viabilisé, c'est pas loti, il n'y a pas de canaux. Donc quand il pleut, l'eau ruisselle. Or quand l'eau ruisselle, ça entraîne l'érosion. Voilà. Quand l'eau ruisselle, ça entraîne l'érosion. Si l'eau n'est pas canalisée, ça entraîne l'érosion. Donc ne mentez pas sur la nature pour dire non, c'est la nature. Parce que nous, on connaît comment la nature agit. Nature, quand il tape là, c'est le vent, ça vient. Mais hier, il a plu, on n'a pas vu un vent, on n'a pas vu toi qui a sauté. Les gens ont fait direct, un peu, on voyait. On n'a pas vu toi qui a sauté. On n'a pas vu toi, on n'a pas entendu du vent. On n'a pas entendu ça. C'est l'eau sur ma chaud. Petit haut pour ça, chaud. Ça remplit. On nous parle de quoi? Que c'est la nature. Et le tiens de deux autres moutons là. C'est un bien gars qui est mouton comme ça, je ne sais pas. Il fait seulement d'être quelqu'un, mais c'est un mouton, il ne sait même pas raisonner. Il chauffe mon cœur, ce gars. Là, tiens, là, tu peux rien nous apprendre ici. Voilà, puis on t'a vu ici, plénicher ici pour ton papa ici. En temps normal, là, quand on est dans un parti politique là, voilà, tout ce qu'ils font là, tu dois applaudir ça. Tu es venu pleurer ici, tu es dédié ici. Tu es mettre nu ici pour dire, ouais, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça. Aujourd'hui, tu prends ton dedans, on te donne tablette, tu changes des paroles. On t'a vu ici faire vidéo ici. Pour dire, non, ah, mon papa, il était mais vous êtes non, mon papa, on n'a qu'à quitter là, il ne faut pas y avoir les députés, qu'on a un cas plébiscité, un autre chez d'homme, un autre quoi, un autre candidat. Maintenant, mon papa, maintenant, on ne doit plus son argent. Enfin, comment on doit faire? Tu as dit que ça fait vidéo pour dire ça ici. Toi, aujourd'hui, toi, tu défends Ouattara, que le plein de Ouattara est inattaquable. Là, vous êtes les lâches de tous. Et ça, ça s'est dit intellectuel. Puis, toi, tu dis c'était moi. Moi, en plein de mots, tu as venu me dire, ah, tu as plein de mots, tu ne peux pas définir ça. Là, tu peux me dire, si c'est un truc, quoi. Il y a plein de mots qu'il ne connaît pas. Il a dit, tu veux la diffusion, pas sur Google. C'est moi, en plein de mots, il sait ce que j'avais dit. Voilà, moi, il ne fait pas de la redondance. Voilà. Voilà, quand il emploie le mot, là, il sait ce que j'avais dit. Voilà. Tu vas venir parler de moi. Il pleut fortement encore. Ah, en tout cas, il n'y a pas pleuvoir. Ça, c'est ce que tu vois. Voilà. C'est pas la nature. Voilà. Mais nature, là, quand on dit nature, là, nature, lui, c'est, on appelle ça événement calamiteux. Ça vient au moins chaque 6 ans. Quand il pleut comme ça, il pleut un vent. Mais en tout cas, il pleut sûrement, il pleut sûrement. C'est pas la nature, c'est vous. C'est une saison pluvieuse. Mais c'est pas la nature. Voilà. Et saison pluvieuse, là, l'eau, il pleut doucement. La pluie pleut, ça pleut doucement, petit comme ça, ça pleut. Chaud. Chaud. Donc comme il n'y a pas de canalisation, ça va inonder, c'est tout. Parce que l'eau cherche une issue, il n'y a pas d'issue. Donc du coup, l'eau s'en va dans les maisons. Voilà. Non, la nature, là, lui, il ne pleut pas chaque jour comme ça. Lui, quand il dit, c'est un vent violent, ouais, puis il passe. Comme les ouragans, les Katrina, eux, ils passent et puis ils rasent tout. Mais vous, on dit, il pleut encore. Ah, c'est la nature, ça. Il pleut encore. Arrêtez ça, les gars. Donc moi, un conseil, il peut vous donner. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, c'est 322 000, 462 km². Voilà. On peut habiter partout. On peut construire partout. Allez construire à Cocody, allez construire à Dembokro, à Korogo. C'est tout ça, c'est Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous tous, vous agglutinez à arriver là? Vous tous, hein? Et tous, ça peut arriver là, et tous. Et tous. C'est non, ils cherchent. Non, ici, arriver là, le ministre. Non, mais ici, arriver là. Ici, arriver là, Beverly Hills. Et puis, c'est un joli nom, hein? Pendant que nous, on a les faux noms, là. Comment c'est à combien blanc? Si les six, un faux nom bizarre. Si les six, quoi, on appelle ça quand même. Si les six, quoi, hein? Si les six, Benta. Mais vous voyez les jolis noms. Ah, il habite à Rivera, Beverly Hills. Il habite à rue Ministre, rue des Oscars, Rivera, les Lauriers. Mais tout ça, c'est la précarité. Parce que c'est pas loti, c'est pas viabilisé. Il n'y a pas de canaux. Donc, quand il pleut là, allez. L'eau vient vous tuer. Et vous mentez sur la nature. Qu'est-ce que la nature? C'est pas la nature. C'est vous-même. Voilà. Ouais, le pouvoir c'est viabilisé. Voilà. Alors, bon, vous allez voir, c'est bien viabilisé. Donc, il pleut là. Il pleut là-bas. Là. Il n'y a jamais inondation. Voilà. C'est pas une affaire de non que Dieu protège le pouvoir. Ça, c'est bien ironisé. Mais le pouvoir là-bas, c'est bien. C'est bien loti. Voilà. Là-bas, c'est bien loti. Voilà. Allez, à le pouvoir résidentiel. Allez, le pouvoir où vous habitez là. C'est quand il pleut, vous devez voir cette inondation. Jamais de la vie. Allez à Yopou en groupement, ça ne peut pas exister. Allez à Yopou en quartier Fanny, ça n'existe pas là-bas. Mais pourquoi vous, c'est toujours l'autre côté là-bas, rivière à l'inondation. Alors on me disait que non, le topographe, on dit non, c'est dans une cuvette. C'est dans un talouek. Vous voyez, talouek. Dans l'armée, on dit un talouek. C'est le croisement de deux versants, voilà, vers le bas. Voilà, un talouek. Ah, c'est en topographie ça. Un talouek, c'est le croisement de deux versants. Donc on me dira que non,
rivière est dans un talon, est dans une cuvette, dans la raison pour laquelle quand il pleut il y a une inondation. Ouais, mais si dans la cuvette on peut percer en bas. Si je prends dans la cuvette, si rivière est dans une cuvette, dans un talon, croisement de deux versants, vous pouvez percer en bas là. Là, l'eau va passer. Mais si la cuvette est essayée, là, quand on ne perce pas en bas, l'eau va rester là. Alors, là, ne montez pas. Vous devez construire partout dans l'anarchie. Parce que là, on dit que c'est rivière, on doit construire partout. Puis on construit là, on construit là. On construit. Il n'y a même pas route où on trace. Il n'y a même pas caniveau. Ça construit seulement. Et vous mentez sur la nature. Voilà, on dit qu'il pleut encore. Ça, il va pleuvoir, ça n'en pleut encore. Son nature, lui, il prépare un jour, il prépare deux jours, trois jours d'affilée. Lui, il passe, la nature, lui, passe. Il vient un coup, il chicote, et puis il s'en va. Accompagné des vents violents. Mais on voit plus là, à bien qu'on voit. Il n'y a même pas vent violent. Il n'y a même pas toi qui est parti pour dire, ah, il a plu, toi est parti. Toi, va pas, c'est la voiture qui va. Et comment les voitures là vont? C'est l'eau qui apporte les voitures là. Alors, ne montez pas la nature. Non, ici, on voit comment ça se passe la nature. Moi, vous montez la nature, pour dire que la nature qui fait ça. Non, non. C'est pas la nature, c'est plus que chaud là, de trois jours là. C'est ça qui fait ça. Florence. Non, c'est pas une question de encourager les promoteurs immobiliers. Mais ce qui concerne maintenant, c'est les promoteurs immobiliers. En fait, ils construisent là. Ils mettent pas, ils oublient de mettre des canaux. C'est ça. Il faut canaliser l'eau. On canalise l'eau. C'est ça. Voilà. Les gens qui construisent sur l'eau là, ils mettent des digues. Mais eux là, c'est pas ça. Eux, ils veulent pas canaliser l'eau, mais eux, ils veulent forcément habiter. Mais si tu habites forcément sans canaliser l'eau, obligé là, l'eau va prendre ta maison. C'est un truc comme ça. Donc, c'est pas une question de nature pour dire c'est la nature. Non. Non, c'est comment la nature frappe. La nature, quand il frappe, ça comprend des vents violents. Voilà, on dit, ah, éboulement, ça c'est la nature. Éboulement de volcan, oh, ça prend, ça c'est la nature. On dit, ouragan, orage, et vent. Vent estimé à 180 km/h, on dit, ça c'est la nature. Mais plus il pleut, depuis hier, il pleut, chaud. Ça c'est la nature, ça. C'est pas la nature. Allez. Plus même qui peut m'enlever toile des maisons. Et vous mentez, qu'est-ce que c'est la nature? Attends, mais c'est la nature, il dit, pleuvoir, vent, mais ça prend les toits, ça va et ça. Mais il n'y a même pas un toit qui a sauté hier, il n'y a même pas un toit. On a vu les gens qui sont revenus sur le toit. On a vu les gens qui étaient sur le toit et puis ils filmaient. Vous me mentez que c'est la nature. Lydie là, mais eux là, quand ils viennent construire, en temps normal, quand ils construire, on fait une étude. Voilà. En économie, on appelle ça. Il faut étudier l'environnement économique avant de vouloir faire une affaire. On étudie l'environnement économique, mais eux là, ils n'étudient pas. Même s'ils savent que ce coin là, c'est une cuvette là, que tu es obstiné à construire. Il faut chercher au moins l'issue où l'eau va évacuer. Mais eux, non, on construit dans une cuvette. On vient, on construit dans une cuvette, sans chercher même à percer la cuvette. Mais, pourquoi vous étonner s'il y a l'inondation? Parce que quand il va arriver, c'est que c'est une cuvette, c'est un talouet. Voilà, quasiment les deux versants, c'est comme ça. Voilà. Là, c'est un talouet. Forcément, il y a l'eau qui va rester. Mais si vous n'avez pas mis les moyens pour pouvoir percer la cuvette, on fait comment? Voilà. Voilà les pauvres, ils dorment bien. Hein. Ils n'ont même pas 5 francs. Ils s'attendent, ils se réduisent. Mais eux-mêmes, là, vos affaires, que l'eau a pris, ils vont récupérer ça dans la lagune. Le malin, les a fait de bonnes les autres. Toutes vos affaires que l'eau a pris là, comme on dit là, toutes vos affaires que l'eau a pris là, pourquoi ils prennent ça dans la lagune là-bas? La lagune est brillée, vous pensez à appeler vers Nangon, le quoi, vers, je sais pas, vers Atekoubé, vers Abodoué, ils vont récupérer ça. Voilà, c'est ça. Le malin, les a fait de bonnes les autres. Mais quand vous mangez, vous pensez pas à eux. Non, eux là, c'est ça, Dieu les a protégés. Voilà, ils pleurent, des cris à l'époux, ils sont à l'aise. Bon, les gars, avec moi, je suis fatigué, avec moi. Voilà, c'est juste un petit conseil, c'est pas de la faute de la nature, voilà. Parce que les gens, ils mangent la nature pour dire non, c'est la nature qui fait à cause de la nature, c'est pas la nature. Tiens le dozo, voilà, parce que toi, tu es le chef des moutons, je peux t'expliquer. Voilà, parce que toi, quand on vient, tu parles plus, on ne sait pas ce que tu dis là. Voilà. On parle de la nature lorsque la pluie là, c'est accompagnée de vent violent. Voilà, vent violent. C'est ça qu'on appelle tornade, la tornade. C'est accompagné de vents violents, grondements du tonnerre, la foudre bat son plein, ça abat des arbres. Voilà. Le vent violent, c'est estimé au moins à 180 km/h, au moins 150 km/h. C'est ça qu'on dit la nature. Voilà, la nature qui est frappée à Abidjan. Oh Dieu, protège-nous.
Ça, c'est la nature. Mais petite pluie, pour arroser les plantes, pluie qui vient en short, sans vent, pluie mais qui enlève, même pas toi. Et ça vous tue, vous mentez de la nature. Ça, c'est plus pour arroser, plus saisonnière, ça arrose les plantes. Voilà. Attends, la mention de le Serengeti là, on dit là, c'est plus de qui annonce la fin de la sécheresse. Voilà. Plus qu'en Côte d'Ivoire, c'est plus qui annonce la fin de la sécheresse. Voilà, c'est plus pour arroser les plantations. C'est pas la nature, ça. Nous parle de quoi? Nous parle de quoi? Non, que c'est la nature. Et tous les moutons du RDN, non, c'est la nature. Les Philippe Bagot, moutons, et tous, c'est la nature. Vous savez comment la nature frappe? Nature, quand il frappe avec le vent. Voilà. Vent violent, le tonnerre gronde, tourbillon partout. Mais il y en a vu sur Facebook là. Les gens ont filmé. On n'a même pas vu un toit qui a sauté. On n'a même pas entendu. Bruit du vent, on n'a pas entendu ça. C'est plus chaud, chaud, qui est rempli de mammite qui vous tue. Vous me mentez pourquoi? Bon, les gars, 51 minutes. Et bras. Ciao, on est ensemble. D'accord.